Alors, comment allez-vous? Ça va? Merci. Avant de commencer, on va tout faire ça. Vous savez comment ça se passe? On va faire ça pour commencer? Merci. Nous sommes encore ici au Niger. Très important, très intéressant. Je pensais qu'il était évident et essentiel que l'on discute sur cette histoire petit à petit comme ça se passe, ok? On vous a dit récemment que le Nigeria, ok, s'apprêtait, en tout cas militairement, pour aller attaquer le Niger. Nous sommes très contents de dire que le Sénat nigérian vient de refuser cette demande catégoriquement d'attaque contre le Niger. Bravo! Bravo, le Sénat nigérian vient de rejeter la demande du président de la République d'aller attaquer le Niger. On va suivre très rapidement. Constitutional point of order, section 4A. I read, the president shall not declare a state of war between the Federation and another country except with the sanction of a resolution of both houses of the National Assembly sitting in a joint session. I believe that this is a condition precedent to section 5A. And the Senate went further to deliberate on the executive communications sent to us by Mr. President, Commander-in-Chief, in respect of the Niger situation. So at the closed session, the Senate considered the contents of the executive communication from Mr. President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Bola Ahmed Tinubu, who also doubles as the chairman of ECOWAS, on his request for support in the implementation of the resolutions of ECOWAS on the political situation in Niger Republic, and resolved as follows. 1. The Senate condemns in totality the military coup that took place recently in the Republic of Niger. 2. The Senate commends President Bola Ahmed Tinubu and other heads of states and governments of ECOWAS for their prompt response and the positions taken on the unfortunate development in Niger Republic. 3. The Senate recognizes the fact that President Tinubu, by virtue of his correspondence, had not asked for approval of the Parliament or approval of this Senate to go to war has been erroneously suggested in some quarters. Rather, Mr. President and Commander-in-Chief had expressed, and I quote, a wish to respectfully solicit the support of the National Assembly in the successful implementation of the ECOWAS resolutions as outlined in the said communications. Le président nigérian Bola Tinubu a écrit une lettre au Sénat de son pays demandant à ses membres de soutenir une intervention militaire régionale au Niger voisin, où un coup d'État a renversé le gouvernement démocratiquement élu de Mohamed Bazoum la semaine dernière. Donc, le président de la République est parti au Sénat, évidemment. On ne va pas essentiellement déclarer la guerre comme ça pour rien. En tant que président, je sais, dans beaucoup de pays, si on pense qu'on peut déclarer la guerre, ou en tout cas au Nigeria, au moins jusque-là, on ne peut pas le faire. Il faut aller consulter le Sénat pour avoir leur autorisation pour mobiliser les militaires et aller commencer. Le quotidien local, le Câble, rapporte vendredi que Tinubu avait demandé un renforcement militaire et le déploiement de personnel pour une intervention militaire afin de faire respecter la junte militaire au Niger, si elle resterait récalcitrante. Donc Tinubu a fait une demande, Tinubu c'est le président nigérian, il a fait une demande officielle pour aller punir les Nigériens si ils restent récalcitrants. Comment ça se fait? La demande était officielle, on vous donne 7 jours pour quitter. 7 jours pour réinstituer Mohamed Bazoum. Si vous ne le replacez pas là où il était au pouvoir, on va venir vous tabasser chez vous avec la force militaire qu'on a. D'abord, c'était l'ECOWA, donc le groupe de 15 nations réunies, tout ça, dans leur bazar, qui était apprêté à faire cette histoire. Mais avec beaucoup de temps, on a compris que le président nigérian est celui qui est en train de mettre la pression donc pour faire respecter le groupe. Car évidemment, pour l'instant, c'est le Nigeria qui assume le rôle de la présidence de la CDAO. Les sanctions imposées au Niger par les 15 membres de la CDAO comprennent la fermeture de frontières, la suspension de tout lien financier et commerciaux dans le pays. Les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest a annulé lundi une émission obligataire prévue de 30 milliards de francs CFA ou 51 millions de dollars par le Niger. Donc le Niger était censé recevoir 51 millions de dollars de la banque, mais elle a été annulée. Bon. Apparemment, nous les Africains, nous sommes champions de la destruction. Quand il faut contribuer, on ne sait pas. Quand il faut dire, non, lui, il dépasse, il faut couper ça, c'est un mauvais. D'ailleurs, il salit pas les gens. Ah, c'est un homme poli, un orgueil. Il se prend pour qui? Il se donne toujours des gens, c'est comme ça. Mais quand il faut contribuer, un euro, on est un compas. C'est difficile à comprendre. On dit les sanctions comprennent la fermeture de frontières, la suspension de tous les liens financiers et commerciaux avec le pays. Ça vous rappelle quoi? Le Mali, n'est-ce pas? Suspension des frontières, fermeture de frontières, suspension des trucs de liens. Mais est-ce qu'ils sont morts? Non. Les Maliens, vous êtes morts? Si vous êtes vivants, il faut vous signaler là.
Même tactique, mais qui ne fonctionne pas. La CDAO a également dépêché une délégation au Niger, évidemment, parce qu'ils ont remarqué que le Niger était résistant, et aussi parce qu'ils ont entendu que le Mali et le Burkina Faso se mettaient en position de défense, c'est-à-dire s'est déclaré la guerre contre le Mali et le Burkina Faso au cas où on s'attaquait au Niger. Ils ont dépêché une délégation rapidement au Niger pour aller discuter. Cette délégation était dirigée par l'ancien dirigeant nigérian Abdou Salami Aboubakar pour négocier avec les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais l'équipe est partie sans rencontrer le général Abdourahmane Tchani, le chef. Ils sont arrivés évidemment au Niger, mais ils n'ont pas rencontré les gens. Moi je pense que c'est ça, c'est une des façons de se faire respecter. C'est bizarre, quand il y a des terroristes, vous ne venez pas. Mais quand on veut changer des histoires, là vous êtes prêts à venir. Pendant ce temps, Tchani a déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions pour réintégrer Bazoum. Il a dénoncé les sanctions comme illégales et inhumaines et a exhorté ses compatriotes à se tenir prêts à défendre leur nation. Je suis convaincu qu'il a discuté avec nos frères maliens et burkinabés, avec cette position de force. Parce que au départ, il était un peu. Maintenant, on sent qu'il est bien assis. Le Nigeria, qui possède les plus grandes forces armées de la région et qui précédemment fournit le plus grand nombre de troupes dans d'autres missions régionales de maintien de paix, est prêt à diriger toutes les forces d'intervention au Niger. Donc, ces gens ont envie de guerre. Les Occidentaux, évidemment, on a sanctionné le Niger, on a coupé le courant, on a fait tout ça là. Je suis content de voir les membres de Sénat nigérian s'élever et dire non. Non, pas de guerre, il n'y aura pas de guerre. Ok, pour une fois, on pense qu'on n'en veut pas, les amis. On ne veut pas de guerre. C'est bien de voir des gens se lever à ce point. Okay, c'est bien de voir des gens prendre la direction et les serres de leur propre pays. Il est essentiel et important de respecter les gens, de laisser les gens vivre leur vie. En récapitulation, le président nigérian avait mis la pression pour que l'intervention soit faite contre le Niger. On voulait partir au Niger pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire, pour rétablir le président Bazoum. Mais clairement, ils ont réuni les militaires, la force terrestre, la force aérienne, la force navale pour aller commencer la guerre. Ok, ils se sont mis prêts pour aller commencer la guerre au Niger. Bon, ce qui est bizarre est qu'au Nigeria, même là-bas, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a des militaires, il y a des terroristes, il y a les Boko Haram qui sont là-bas. On n'a pas encore résolu cette histoire. Mais on veut aller résoudre les histoires des gens ailleurs, dans un autre. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et puis, c'est pas seulement le Nigeria. Il y a d'autres présidents ici aussi. Dans leur pays, il y a des problèmes qui ne finissent pas. Mais ils sont intermédiaires et, comment dire, signataires, conseillers dans le pays des gens. Dans ses propres pays, dans leur propre pays, ça fonctionne pas. Mais dans les pays des gens, c'est ça. C'est ce qui me dépasse. Courage au peuple nigérien qui finalement choisissent leur propre destinée, choisissent leur propre direction. Je pense qu'il est important de respecter la destinée des gens, respecter la vision des gens, respecter la vie des gens. C'est très important. Aucune personne ne peut accepter dans son pays voir une force étrangère ou une personne étrangère forcée ou indiquée comment avancer. L'ex-président nigérien Bazoum, pendant que le Niger luttait contre les forces étrangères, des terroristes et tout le bazar, il s'est permis de dire ouvertement que les forces de ces gens-là est plus fort, plus importante que ses forces nationales. Donc les forces étrangères ou les forces de ces insurgents sont plus forts ou sont mieux armés que notre force à nous. Je sais pas qui dit ces gens l'histoire. Même quand vous allez vous battre dans les rues, vous savez qu'il y a des gens qui sont plus forts que vous. Vous ne dites pas ça. Parce que dire ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est décourager même ceux qui sont les plus braves. Comment on peut diriger un pays avec ce sens-là de réflexion? Encore une fois, grand merci aux membres du Sénat nigérian qui ont pris le sens de la raison et ont compris qu'il n'est pas essentiel de créer des problèmes qui peuvent être évités. Le peuple nigérien a choisi sa destinée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est très bien de vous lire, de voir ce que vous dites. S'il y a quelque chose que j'ai manqué, faites-moi savoir. Écrivez-la sur place. On veut savoir ce que vous en pensez. Quel est votre avis dans cette histoire? Est-ce que ça a été une bonne raison, une bonne attitude de la part du gouvernement nigérien? Ou bien il fallait qu'on autorise ces gens d'aller là-bas au Niger, qu'ils se fassent rosser d'abord, comme ça ils vont apprendre à respecter les gens. God bless. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. Au revoir.